Alors, notre adversaire est troisième dan. On a donc deux pierres d'handicap et il a 0,5 de commis. 25 minutes plus 3 fois 5 fois 30 secondes, pardon. Et est-ce qu'on approche tout de suite? Tac. Pourquoi pas. Salut Try Again. Merci. Merci, merci. Donc là, je pense qu'il répond en P4. Et soit on répond en R8, soit en Tenuki. En vrai, c'est peut-être en train de Tenuki. Ah, Tenuki ça. Il approche par là, on va prendre un coin. Ok. Et Tenuki, ok. Qu'est-ce qu'on fait? Bien envie de pincer. Parce que c'est... S'il avait fait le Joseki normal, F16, salut Crow. S'il avait fait F16, dans le Joseki normal, il voulait étendre en K16. Donc, faire cette pince sur la pierre en O17, je trouve que ça fait deux choses à la fois, c'est pas mal. Ici, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il peut avoir potentiellement deux groupes instables, donc j'ai bien envie de pincer. Enfin de kicker, pardon. On va kicker, il va monter. Et je saute. Et cette pierre, elle fait chier quand même pour blanc. On est de côté. Effectivement, il peut aller en C15, mais ça va. On peut gérer cette situation. Et il nous attaque, ok. Le Boshi avait pas l'air de trop marcher, donc il essaye un Ogema comme ça. Si on pousse, il veut faire Hané et jouer sur les formes un peu mauvaises. Ok. Après, on peut très bien sortir en Kema nous-mêmes. Il pourrait aller en J16. Mais bon, voilà, il coupe, tac. Ça a l'air compliqué. Donc sûrement H15 pour moi, ou tout simplement le Nobi ici. Tac, tac, tac. S'il coupe comme une brute, on a Atari, Atari, tac. Mais on n'a pas de Chicho. Je préfère ce coup-là pour séparer. S'il pousse ici, on va là. S'il pousse là, on va là. Ok. Donc il essaye de m'attaquer en large. D'accord. Dans ce cas-là, je vais jouer par ici déjà. J'aimerais pas qu'il descende ici. Il s'en va comme ça. On peut tourner ici déjà. S'il saute, on saute. Ok, il protège comme ça. Est-ce qu'on a le droit d'aller ici? Tac. S'il protège, il y a Atari. Mais il faut faire attention à ce groupe quand même. En vrai, on va juste pousser là. Il va aller ici. On protège. Et il continue une fois ici. Mais ça nous laisserait le synthé. Donc il aurait pas forcément envie de continuer ici. Il vaut mieux pour lui laisser ça pour le moment et revenir attaquer là. Bon, je suis assez content d'avoir l'initiative ici. Là, il restera des coupes. On va d'abord mettre pression par là. Encore une fois, s'il descend ici, il commence à faire des formes sympathiques. Donc, on va pousser une fois ici. Il recule là. Et on peut commencer à pas mal l'embêter. Comment est-ce qu'on saute? Ici, ici, ici. Un des trois. J'hésitais aussi avec le L13. Bon, faut être prêt à être coupé tout de suite. Sachant que lui, il a pas mal d'options encore, glisser ici. Il a le P18 qui peut être gênant. Et il peut sortir surtout. Peut-être là. S'il fait Hané, on vient là. S'il fait double Hané, Atari et Chicho. Pour le moment, ça va. Salut Chris. Salut Shane Blood. Comment vous allez? Ok. Et du coup, là, il fait un... Ça, c'est un briseur de Chicho. S'il va en K14... Que je viens là, qui va là, Atari, tac, et le chicho, tuk 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 tuk, ça tombe sur cette pierre. Donc la direction est sympa. Qu'est-ce qu'on fait alors? Merci pour l'abonnement, Shari Chakra. Merci beaucoup.
Je sais pas trop quoi faire ici. Faut que je fasse attention à cette menace du Shiro. Tac, tac, tac. Comment est-ce que je réagis? Est-ce que cette pince, par exemple, ça contre le Shisho? Enfin, ça refait fonctionner le Shisho. Ouais. On va faire cette pince. Qui réveille pas mal cette coupe. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il joue comme si c'était un Komoku. Bon, il veut encore une fois englober ma pierre. Pas trop envie de toucher, parce que si je touche, il continue. Et on a envie de rajouter une pierre, parce qu'il a la descente qui serait assez solide. Est-ce qu'on peut juste aller en F3? Il pousse, tac, il coupe. Si on met Atari comme ça, il descend. Si on continue, il peut faire Atari là, tac, et Atari. Donc non. Tac, tac, tac. S'il coupe Atari, mais on est obligé de connecter. Il aurait quoi? Une, deux... trois libertés. Tourne là, on va là. Tac, tac. On va là. Trois libertés, et nous, une, deux, trois, quatre. Ouais, ça a l'air d'aller de faire ça. Ça a l'air d'être ok. J'ai pas envie de le toucher pour pas le renforcer, en fait. Et il joue de ce côté, ok. Il joue de ce côté. Qu'est-ce qu'on fait avec ces pierres? Marrant qu'il veuille développer ce côté, je pensais qu'il me pincerait. Pour avoir une approche naturelle avec R12 notamment. Parce que là il laisse quand même des groupes, des faiblesses, des groupes instables. Notamment ça et ça en fait. Ici j'ai envie d'utiliser la pierre au mieux en jouant R7. Ou alors on vient en R8. Il va en R6. Et je recule, je fais une extension naturelle. Ça fait une extension au Gemma ici, ça va, c'est assez solide, comparé à ça. Et plus tard, il me restera même comme Yossé, si j'ai une pierre ici, comme menace d'aller en S6. Il empêche la connexion, je connecte, il connecte, et on peut essayer de vivre dans le coin. Donc j'aime bien. Tac. Tout sur cette attaque-là, ça va être chaud quand même. Mais oui, c'est pas impossible, ouais, effectivement. Avec cette pierre, celle-là, et ça, ouais. Ce qu'il y a, c'est qu'il est pas très solide non plus. Et il joue de ce côté. Donc là, oui, les intentions sont claires. Il joue très vite, par contre. Je suis en train de réfléchir comment est-ce que je peux utiliser cette pierre et ça en même temps. Jouer avec l'un mais sans abîmer l'autre, etc. Parce que là si je coupe direct, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Tac. S'il recule là, on peut aller là, puis là. Et s'il pousse ici, on va... Ouais, la coupe elle a l'air sympa là, tout de suite. De toute manière, on a encore le chichot, donc... ça a l'air sympathique. Parce qu'au bout d'un moment, on va pas le laisser arranger toutes ses faiblesses. Bien attaquer, faut pas craindre le 3 dan, même s'il est plus fort que moi, hein, ça c'est sûr. Mais même là, de pas avoir pris R6, ben c'est original quoi. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Ah là, c'est le bordel, ouais. C'est le bordel. J'hésite. Le kick, je pense que c'est mauvais. Parce que ça laisse encore ouvert le R15, le R17, d'autres entrées. So, Cray Blue. Quoi? Hello, Mighty Minotaur. I didn't understand. Hi.
J'hésite entre Q12 et R10. Ouais, c'est peut-être un peu risqué le R10, parce que déjà il reste toujours le R6, et on a une petite extension assez pourrie. Ouais, est-ce qu'on devait rajouter un coup à ce moment-là ici? Après ça serait pas mal aussi, mais... Je vais rester sur la logique de mes pierres, quatrième ligne ici. Ça met la pression sur son groupe. Et j'ai l'impression que quoi que je fasse, de toute façon, il y a des faiblesses dans le coin. Donc ça sert à rien d'essayer de le défendre s'il reste des faiblesses. Autant gagner de la force. Défendre ici, ouais. Cette pierre-là est assez bien passée. Ok. Il laisse plein de trucs non finis, plein de Tenuki. Elle va être tendue cette partie. Ouais, salut Karoxys. Ouais, ça va être tendu. Là, bon, c'est pour protéger la coupe. Si je protège ici, c'est intéressant pour moi parce que maintenant ça descend en R6, je peux aller en S6 moi-même. Mais maintenant, quand il monte là, tac, il coupe. Faut que je réfléchisse à ce qui se passe dans le coin. En même temps, si je pousse ici, tac, c'est le risque à donner tout ça. Tac, tac, il coupe, je peux aller là. S'il fuit par là, ben il y a la coupe. Tac, tac, il faut revenir. Et ça a l'air compliqué pour lui. Ouais, j'ai l'impression que j'ai le temps d'aller là. Hein. J'ai l'impression. Ouais, la coupe va devenir dangereuse. Hein. Mais bon, je sais pas trop comment, si je la protège ou pas. Parce qu'il n'y a pas de protection qui menace quelque chose vraiment. En même temps, si je protège, ben c'est compliqué là. À quel moment je me suis fait avoir ici? Peut-être qu'à la place de la coupe ici, il fallait jouer tout simplement l'extension ici, comme on disait tout à l'heure. Ça évitait bien des soucis, ça menaçait de prendre gros. Et il restait quand même plusieurs faiblesses, donc d'abord protéger ses propres faiblesses. Ouais. Ici, année. Unobi. Kasek avec le Hané, même s'il protège comme ça, bah la coupe ne marche pas et il faut protéger. Avec Nobi, ça laisse plus de faiblesse. J'ai l'impression. C'est plus solide. C'est plus solide. Et il fait Nobi lui-même, d'accord. Faut pas passer à côté du timing, mais j'ai l'impression que glisser ici, par exemple, ça peut être intéressant. Tac, il va là, je vais là, il coupe, je prends, il contre-atterrit, tac, il connecte. Faudrait pousser ici d'abord, je pense. Je pousse ici, puis je glisse. J'ai l'impression que c'est pas mal. Salut Fredo, comment ça va? Mais là, j'insiste pas trop. Mais je glisse pour trouver une base de vie. Viens par là. Tac. Ok. Salut GoDD. Capture. Si je capture, il vient par là et c'est assez gênant parce qu'on n'a pas de base de vie locale. Pas plus intéressant de venir là pour moi. De toute manière, oui, quand il capture, bah, il pourra pas descendre tout se couper. Est-ce qu'elles sont si importantes ces deux pierres? Soit on monte ici, soit on vient en R2. Je pense qu'on prend une base de vie. De toute manière, même lui, ça lui fait pas deux yeux. Moi, bah, ça lui fait pas un œil. Quand il capture, on peut aller en R5. Bon, c'est un peu bizarre comme forme, hein, mais bon. En soi, on prend le coin. On n'est pas forcément mécontent. Tac, il vient là direct. C'est assez risqué, je pense.
Ouais, il fait pas ça. Là, j'hésite. Soit on fait d'abord l'Atari, il lance un co, c'est... je pense. Il lance un co. J'aimerais bien avoir la descente en S14. C'est gros. S'il y va, tac, une fois que j'aurai une pierre ici. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de faiblesses avec le S7, avec le R17, la descente ensuite, c'est assez compliqué. Et la coupe potentielle, qui est plus compliquée à opérer si on est descendu là, donc. Est-ce que je fais l'Atari avant? C'est ça la question. J'ai l'impression que je descends. Maintenant, quand il vient là, tac, qui descend là, ben on peut faire Atari maintenant et c'est plus compliqué pour lui. J'ai l'impression que ça s'en passe. On le voulait déjà tout à l'heure, donc c'est peut-être le timing. En plus, ça menace la base de vie de ce groupe-là. Il coupe. Si je viens là, prends, tac, tac, tac. Ça a l'air sympathique, ça. Et on s'en va, de quelle manière? Blanc n'aime pas les points, il semblerait, c'est sûr. Après, maintenant, il faut que je fasse attention avec ces trois pierres. Mais si... Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Pas vraiment. Et ça? Déjà davantage. Ouais, le jeu handicap, c'est compliqué. Tac, si blanc vient ici, on vient là. Là, non, on vient là. Ouais, ça a l'air compliqué pour blanc de faire quelque chose ici. Il monte ici, là plutôt? Non. Donc on s'en va comme ça, tout simplement. Mais attention à ce groupe. C'est compliqué. Est-ce que ici on peut trouver une base de vie rapidement? Ça a l'air compliqué aussi. On vient ici. Il y avait des pierres dans notre cap. Ouais, il est. L'adversaire est, comme tu peux le dire, ici, il est 3 Dan et moi je suis un Dan. Donc il y avait deux pierres au début en ma faveur. Et il a 0,5 de commis. Est-ce que je fais cet Atari? Est-ce que c'est intelligent de faire cet Atari? Oui, maintenant ça va parce que je suis assez solide ici. Donc je fais d'abord cet Atari. Quoique. Ah, il peut connecter ses pierres. Ah. Quoique non, il peut pas. J'ai cru aussi. Ouais, je suis pas sûr non plus. Maintenant. Tac. S'il protège là, je capture ça. Et s'il protège ça, on capture ça. On peut défendre comme ça. Mais ouais, c'est pas la meilleure forme. Alors on voit cette forme en W, là, c'est... Ça a un nom, ça, non? Je sais plus. Tu vois ça. Et bon, ces trois pierres sont pas très fraîches. Attention, il a un œil ici, a priori. Celui-là, il pourrait disparaître si on joue ici. Ça s'appelle une forme de glace. Merci. Merci, merci de l'info. On pourrait jouer par là, dire pour l'instant on ignore un peu ça, mais menacer de tuer tout ce groupe. Est-ce qu'il vaut tout ce groupe? Est-ce que ça vaut ça? Sachant qu'ici, en un seul coup, est-ce qu'il peut vraiment tuer? Si je viens là, en fait, il vient là, tac, il ferme ici, je vais là et il va ici. Mais on gagnerait quelques forces ici. On pourra un jour ou l'autre attaquer ce groupe-là qui n'a pas d'œil encore. Et on serait santé, on pourrait répondre là-bas. J'ai l'impression que c'est sympa de jouer par là, tout d'abord. De pas suivre le rythme de l'adversaire, forcément. C'est un peu risqué ça par contre, non?
C'est un petit peu risqué, il a joué rapidement quand même, hein. Il était ultra confiant. S'il joue là, bon, on fuit, hein. On s'en fout. Il y a quelque chose ici. S'il vient là, vient là. Ouais, là, j'ai. C'est bizarre, là. Bah, s'il meurt, bah, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Ouais, mais maintenant, je viens là. What? What? Ah, il s'en fout. Là, il s'en fout, le T11. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Tac, il vient là, je viens là. Après, niveau liberté, tac. Bah l'Atari, ouais, j'ai un doute. Tac, tac, je viens là. Il fait Atari comme ça. Je vais là. Et ensuite, il prend Chicho en fait. Après, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que déjà on a plus de liberté. Tac. S'il vient par là. On peut aller par ici. Bon, il m'a Atari d'abord, ça me souffre un peu. Viens par là. Capture cette pierre. Viens par là. Tac. Bon, ça va, je pense qu'on gagne le CMI, mais. On va d'abord faire ça. Descente au lieu du année après. Tac. Ouais, mais après il vient là. Ah oui, mais oui, s'il fait ça, on reprend là. Il y a un Atari, après il y a des coupes chiantes. Ouais. Moi je pensais plutôt du coup à faire ça d'abord. Tac. Blanc. Et là quand on fait ça, tac, tac, tac. Même s'il fait ça, il fait ça, tac. Non, j'ai rien dit. Ok. Bah, je vais pas faire ce coup-là parce que je l'avais pas vu, mais. Ok, je regarderai ça après la partie. Je fasse attention à mon temps. Venir par ici, si force dedans, on reculait comme ça en fait. D'accord, bon, on va venir là alors. Et là? S'il pousse, on est prêt à sacrifier 4 pierres pour attaquer durement toute cette forme, non? Déjà, on peut venir là, il va là, on vient ici. Tout ça, c'est pas frais. Hein. C'est assez peu cher payé. D'accord. attention quand même à mon coin. Si je vais là... Bon, déjà, il a ça, tac, ok. Mais... Tac, on va là, on peut descendre, on va ici. Est-ce que c'est... Bah non, oui, mais on a ça. Donc ça va en fait.
On a cet Atari, parce qu'il n'a jamais répondu à la coupe. C'est moche, parce qu'il peut monter tranquille. Après attention à ses formes, quand je vais là, tac, après il y a des coups par là. Oui, il vient ici, tac, il vient là. Ah mais non. Ok, il vient là. On peut aller là d'abord. Faut que je joue un peu plus vite, j'ai pas le choix. Enfin après c'est des périodes de 30 secondes quand même, donc ça va. Mais bon. Mais bon, mais bon. Compliqué, hein. J'ai envie de répondre ça. J'ai envie de ne pas connecter en angle vide. Parce que là, s'il pousse ici, ben on va là et cette pierre est séparée. Bon, nous aussi, hein, mais au moins on est connecté. Et s'il coupe, ben on connecte là. Je pense que c'est encore meilleur pour nous parce que ça attaque vraiment ça. J'ai envie de connecter gentiment. Tac. S'il vient là, on va là. Bon, s'il vient là, c'est une erreur, je pense. Hein, parce que ça condamne presque tout ça. Par contre, s'il vient ici. Non, quand on va là, s'il vient ici, tac. Il peut faire année. C'est un peu risqué, peut-être. Peut-être maintenant, connecter. Et quand il coupe, on a déjà une pierre ici. Si on avait connecté. Ouais, c'est bien d'avoir cette pierre d'Adji. Est-ce que j'ai eu le temps d'aller là? Coupe. Ça a l'air gourmand, mais ça a l'air dégueulasse. En même temps, je fais ça, bon, ouais, il fait courir comme ça ou comme ça. Après, il lui reste encore des points de coupe, mais attention à ça, hein. C'est dur. En plus, forcément, je suis intimidé, je pense, par le 3-dan. Et si je continue comme ça? Coupe. Et je viens là. Il a juste à aller là, tac, couper. Et nous, on fait quoi? Ça a l'air de bien marcher, non? Tac, s'il coupe, on vient là. S'il coupe, on vient là. Ouais, peut-être que je m'embarque dans un truc compliqué. Tac, tac, coupe, et on peut aller là. Après, si... ouais, non, je regarde qu'une seule réponse, je suis un peu bête, mais je regarde qu'une seule de ces réponses. Est-ce que je vais me suicider? Bon courage. Merci, Yvan.
Je viens de me suicider. S'il vient là, on va ici. Ah, il est pas encore vivant ici non plus, mais bon. J'ai vraiment joué compliqué là, ouais. J'avais juste à connecter sur moi. C'est la gourmandise. C'est la gourmandise. Surtout que là, il a tout le temps qu'il veut. S'il vient ici. Connecte là, il vient là. Ouais, c'est compliqué. En plus, on attaque avec quelque chose de pas solide. Ça le fait pas. Ça le fait pas, ça le fait pas. Hercule tout simplement, tac, tac, tac. Ouais. Ouais. Mais j'aurais dû réfléchir un peu plus à ça aussi. Oula, ça marche pas. Moi j'ai l'impression que ce coup-là il marche bien, non? Pour noir. Pour blanc, pardon. Tac, s'il va là, bon, Atari. Il capture, Atari, il est capturé. Si il fait Atari de ce côté, bah même chose, tac, capture, on vient là, pareil. S'il sort, on fait Atari, il sort, on vient là, il y a plein de double Atari. Moi j'aime bien. Après ça va attaquer ce groupe quoi. Mais bon. Trop gourmand. Après on peut tuer ça. Bon, on joue trop compliqué. Une fois qu'on a tué ça, en fait, aujourd'hui je joue plus simple. Parce que là, ouais, on affaiblit ça. Il joue ici. Il est pas obligé de capturer, je pense. Comment ça? De capturer ça, tu veux dire? Ouais, mais s'il fuit, on vient là. Ah, il peut mettre Atari, tac. Et là, il a gagné une liberté de plus. Ça va être compliqué. On va forcer quand même un petit peu sur ça. Mais en fait, c'est surtout pour retirer cette liberté-là. Pour jouer au milieu de ce côté, quoi. On va essayer de le tuer en gros. Tac. S'il vient là, on vient ici. Protège. Ensuite, on vient là. Quand il capture, on peut remettre Atari. Tac. Il a perdu tous les libertés ici. Pousser là. Tac. On peut aller par là. Ça a l'air intéressant. De toute façon, j'ai plus le choix. Faut que je le tue ici. On va essayer. Oula. Wizbot, Wizbot qui s'excite. Désolé. Est-ce que j'ai le droit d'aller là? Tac. Il capture, je fais ça, il complète. Ou alors on va ici. Protège ici, on fait Atari. Protège là. Ouais, c'est mieux. C'est mieux de protéger tout simplement. Atari. On peut aller là. Il protège ici, on n'est pas en Atari. On vient là. Non. Ça va être dur. Ça va être dur.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Noir, blanc. Noir, blanc. Noir. Sinon, on peut aller là. Et répondre ici. 10 seconds. 1, ouais. 2. On va tenter ça, ça menace ça. Mais en même temps, s'il fait l'Atari, on vient là, ça menace la coupe et en même temps de faire l'Atari là. Donc là, il connecte en M18. Ten seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu peux lancer un coup. On est 27, bonsoir à tous. N19, j'ai hésité, mais il peut aller ici. Je suis obligé de répondre parce que sinon il fait ses deux yeux et il peut capturer cette pierre et ça va faire chier en fait les libertés ici, j'ai l'impression. 1, 2, 3, 4, 5. Tac. 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tac. 7, 8, 9. Tac. Connect, il vient là. On va ici. Il est en Atari. Il est mort. J'ai pas besoin de jouer par là, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi ça. Pardon, JFE. Je voyais ton message, mais après, j'ai juste vu après que ça avait été bloqué. Je sais pas pourquoi ça a été bloqué. N19. Ça va, il y a pire comme insulte. On vient ici, on gagne du liberté. Je voulais... Bon, je pouvais peut-être faire un œil, mais. Viens là, on vient là, il vient là, on vient là, il est mort. Il est mort ici, il est mort là. Ça, c'est en danger. Hein. Bah non, ça va, parce qu'il peut capturer ici, mais bon. Mais on a joué avec le feu quand même. Hein. On a joué avec le feu. Bah, du coup, t'avais une bonne prédit, hein, Shane Blood, juste avant. Mince. Attaque son truc en gros. Il sort là-bas, bon, on s'en fiche de ces trois pierres, de ces cinq pierres même, hein, on s'en fiche. On veut juste sortir le plus loin possible avec ce truc. On va faire des nobis et des nobis. En plus, attention à ce groupe-là, parce que ça, c'est pas un œil. Bon, après, maintenant, il y a plus facilement des yeux ici, mais... On se fait le plus de liberté possible. Et surtout, il faut que je revérifie ça. Oh, ça a l'air d'aller, hein, niveau liberté. Je vais me tenir un peu éloigné. Mais attention à ton groupe, hein, quand même. Je comprends. On va aller de ce côté. Et on prend la pierre, tout simplement. On prend la pierre, on va pas s'embêter. Hein. Tac, il prend.
Double atterri ici. On protège comme ça. On est bien, non? J'essaie de porter chance, c'est ça. Bonne prédiction. Ouh. Du coup, il se passe quoi ici? Ça a l'air d'aller quand même pour lui. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire là? Ça? Ce qui menace de venir ici, qui capture les pierres. Donc il nous fait atterrir, on fait un angle vide, il pousse là, on fait atterrir ici. On recule. Et on bloque. Il aurait 4 libertés. Ok, il fait ça. On bloque. Il fait ça, attaque. Ça devrait aller. Atari, attention à ça, tac tac, il descend, tac, on aura toujours plus, donc on peut faire cet Atari. C'est pousse ici, on va là. On protégera de son Atari. Et dans ce cas-là, attention à tes libertés ici également. On va d'abord faire cet Atari. Et là, j'ai le droit de faire ça, non? Tac, il vient là. Tac, il va là. Mais il peut pas. Il peut pas. On pourra pas aller là parce que sinon il se met un auto Atari. Il manquait énormément de liberté ici. C'était bien de ne pas toucher à ces pierres. Il faut jamais forcer. Ça sert à rien. Non, on va protéger ça. Ouais, c'est un gros bordel, ouais. Heureux. Mais bon, un bordel positif pour moi, donc ça va. Pousser ici. Là, j'ai été trop loin. À moins que... Tac. Ça a l'air de bien marcher, non? Tac. S'il vient là, on vient ici. Voilà. En même temps, il a ça, tac, tac. Ouais, je fais un peu peur, ouais. Faut que je fasse attention quand même. En même temps, s'il fait ça, tac, tac. Tac, tac. 1, 2, 3, 4. S'il en aurait 3, mais oui, j'ai joué avec le feu là encore une fois. Ouais, j'ai joué avec le feu. Enfin, on pourrait sacrifier ces deux pierres et tant pis, hein, dire tant pis, on tue ça et on tue ça, hein, ça suffit, mais bon. Je ne fais pas un gros souci. Ça va, il est pas là donc il va pas m'influencer. G6, il peut pas répondre, je pense. Auto-atari. G6? L6. Ouais, c'est pour ça qu'il irait en L6, il irait pas en L5. Mais oui, non, je crois que quand j'ai fait le tac-tac-tac, je montrais L5 et oui, c'était une erreur de ma part. Mais ce que je voulais dire, c'est il joue là, tac-tac, il fait ça, tac-tac, je comptais 4 libertés. Mais ça suffisait pas parce qu'il doit d'abord défendre ça. On va faire cet attaque. On a droit, non? Je vais vérifier. S'il fait cet attaque, on va là. Tac, voilà, on s'en fout, on n'essaie pas de toucher à ces 3, ces 4 pierres. Quoi d'autre? Maintenant, si on protège qui vient là. Bah, s'il fait ça, il peut pas vraiment. 10 seconds. Je pense que j'ai le droit de sauver ces pierres. Il vient là, tac, tac. C'est dans l'objectif.
Quel est le but? Je pense qu'il abandonne, ouais. Bon, j'ai joué avec le feu, mais je suis assez content de la partie quand même. C'est chouette.